Trou Shui est le premier sculpteur taïwanais de l'époque contemporaine. Sa spécialité est de reproduire de manière réaliste les personnages, les animaux et les objets. Par ailleurs, il arrive à créer dans ses œuvres une beauté élégante et idéale, et traduire l'esprit et la vitalité de ses personnages et autres sujets. Le Musée municipal des beaux-arts de Taipei a conservé 2,5 œuvres de Huang Tu Shui. Que veut-on dire par une demi-œuvre? En fait, sa sculpture intitulée Les Buffles, appelée aussi Pays au Sud, n'est qu'une reproduction en bronze. L'original est exposé dans la salle Kuang Fu du Zhongshan Hall à Taipei. Le Musée des beaux-arts de Taipei dispose de 2 œuvres originales de l'artiste. L'une est Shakyamuni sortant de la montagne, réalisée en 1926. Son prototype est une sculpture en bois que Huang Tu Shui a spécialement produite pour le temple Longshan Si. Elle a été détruite en 1945. La statue conservée au musée est un modèle en plâtre. Ce modèle a été offert à la Commission de la culture par la famille du docteur Hui Huoya. Puis la commission l'a redonné au musée peu après l'inauguration de cet établissement. Cette statue a donc beaucoup d'anecdotes à raconter. Huang Tu Shui a employé les techniques occidentales contemporaines qu'il a acquises pour créer ce modèle en plâtre représentant le Bouddha. Il avait consulté beaucoup de documents au Japon. Parmi ces documents figurait probablement une œuvre célèbre du peintre chinois Liang Kai de l'époque des Song du Sud, intitulée aussi Shakyamuni sortant de la montagne. Parce qu'on peut constater que la statue de Huang Tu Shui présente presque la même posture que celle de Liang Kai. Les deux personnages ont l'épaule droite découverte et suggèrent une sortie récente de la montagne. Enfin, ce n'est qu'une référence. Plus important encore, l'artiste s'est efforcé de se figurer l'image de Shakyamuni avant qu'il ne devienne Bouddha. Lorsqu'il venait de sortir de la montagne sans illumination, il devrait avoir l'air assez triste. Bien entendu, la statue doit disposer des particularités physiques de ce personnage, comme les longues oreilles, les cheveux bouclés, l'urna entre les deux sourcils, mais aussi les pieds nus et la longue robe de bonze. C'est ainsi que se présente Shakyamuni. En ce qui concerne le visage, la statue est comme un autoportrait de l'artiste qui se plonge dans ses réflexions profondes sur l'art et la création. Son visage est pensif. Peut-être pense-t-il aussi à l'avenir. Cette sculpture dégage donc une dimension spirituelle. Mais en fait, ce n'est pas une statue destinée à la vénération. C'est une création d'art contemporain. Cette œuvre a été concrétisée grâce aux recherches personnelles du sculpteur. Une autre sculpture réalisée en 1928 et 1929 est une statue debout qu'on peut observer depuis n'importe quel angle. Il s'agit d'une sculpture en bois représentant Yan Guo Nian, offerte par la famille de celui-ci. Cette statue n'est pas très grande, mais elle a bien saisi l'esprit de cet homme qui a eu de grands succès dans ses affaires, notamment dans l'exploitation minière, mais aussi dans les échanges internationaux. C'est un homme d'affaires international. Huang Tu Shui a eu l'ambition de reproduire cet homme d'affaires de grande ambition et de grand renom. Ce n'est certainement pas uniquement pour gagner de l'argent. Il voulait sans doute représenter cette personnalité taïwanaise importante pour son époque. En fait, Huang Tu Shui a aussi sculpté d'autres célébrités taïwanaises ou japonaises. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, pour réaliser une statue, l'essentiel est d'exprimer son côté spirituel.
Cette statue est quasiment identique à la photo de Yan Guomian. Le personnage a un regard vivant, de même que son visage et sa posture. Même ses chaussures et les détails de ses habits sont aussi très bien faits, sans parler du socle de la sculpture. C'est en réalité une œuvre magnifique.